Théotime a eu une brillante idée de mettre en opposition M. Sénayer, inconnu, et M. Leclerc, très connu. Sénayer, c'est un compositeur qu'on sort un tout petit peu de l'oubli. C'est le premier compositeur, un des premiers à écrire des sonates pour violon en France. Lui, il a voyagé en Italie, donc il a ramené de l'Italie une certaine virtuosité et il a adapté au style français, donc c'est vraiment les goûts réunis, c'est vraiment France-Italie. Pourquoi pas l'associer à Leclerc, qui est le plus illustre des sonatistes français. Il a rencontré Locatelli, et donc là, c'est le violon virtuose par excellence de cette époque-là. Une musique énergique, pleine de vitalité, et une musique, comme toute la musique française baroque, d'une rare élégance.